There's a orangutan in my bedroom. Iceland, le leader britannique du surgelé, a recyclé ce spot de Greenpeace sorti en août, histoire de communiquer sur son engagement à supprimer l'huile de palme de ses produits. She throws away my chocolate and she howls at my shampoo. Mais le film a été interdit de télévision au Royaume-Uni. La loi britannique interdit en effet depuis 2003 les pubs à finalité politique, soit toute campagne visant à influencer n'importe quelle législation. Why were you in my bedroom? I really want to know. There's a human in my forest and I don't know what to do. He destroyed all of our trees for your food and your shampoo. Or, Greenpeace, considérée comme une organisation à visée politique, est interdite de pub télé au Royaume-Uni. Iceland a donc été rappelée à l'ordre par la loi, et face à cette interdiction, l'enseigne en a appelé aux réseaux sociaux. Résultat, un buzz presque instantané. Des centaines de médias internationaux se sont fait écho de la censure, le film a été vu plus de 40 millions de fois sur Internet, et une pétition demandant sa diffusion à la télé a déjà récolté plus de 700 000 signatures. I'll share your story far and wide so others can fight too. Évidemment, certaines mauvaises langues ont suggéré que tout ça a été calculé. Iceland s'en est défendu, arguant qu'il avait déjà claqué plus de 500 000 euros d'achat d'espace pour un spot finalement indiffusable. Mais à vue de nez, on peut penser que chez Iceland, ils sont déjà rentrés dans leurs frais.